coucou. Alors, je vous retrouve non pas dans un vlog, mais dans une petite vidéo face cam, tout simplement parce qu'hier, je n'ai pas vlogué lorsque je suis allée chez le coiffeur. Et comme je vous en ai parlé en story sur Insta, je me suis dit, ouais, c'est pas cool. Je leur dis que je vais me faire couper les cheveux et je ne vlog pas, je leur montre pas. Donc aujourd'hui, dimanche, où vous verrez cette vidéo, j'ai décidé de faire une petite face cam, c'est une petite vidéo comme ça, donc ce n'est pas un vlog, où je vous montre le résultat après être passé dans les mains du coiffeur. Je rappelle pour ceux qui ne me suivent pas encore, donc je fais du daily vlog et j'ai des extensions depuis un bon moment, c'est-à-dire que je les pose pendant 6 mois, j'en remets, et ça fait 3-4 fois que je fais ça. Donc on va dire que ça fait au moins 2-3 ans que j'ai les cheveux très longs et forcément je les ai retirés il y a peut-être une petite semaine et ils sont complètement pétés. Je vous avais montré hein, d'ailleurs le résultat. Il y avait au moins tout ça de pété. Résultat, je suis allée hier chez le coiffeur. On a vu ensemble ce qui était bon à faire. Et, pronostic d'après vous, est-ce que j'ai coupé mes cheveux? Est-ce que j'ai fait la coiffure de Tokyo dans la saison 2 de Casa de Papel? Est-ce que j'ai osé? Ou est-ce que j'ai juste ébouté, fait un carré comme beaucoup me l'ont conseillé, aussi bien mon entourage que vous, que la coiffeuse? On ne sait pas. Je vais pas faire durer le suspense parce qu'il n'y a pas non plus un suspense de dingue. Je vais retirer ma casquette tout de suite. Alors, voilà le résultat. Quand on regarde comme ça, on se dit qu'elle a pas beaucoup coupé, mais elle a quand même coupé ça. On a séché, enfin là, on a regardé, j'ai dit non, encore. Donc on a recoupé ça et à un moment donné, elle a eu raison, elle m'a dit non, on arrête parce que moi, je lui ai quand même dit que je voulais pouvoir faire mes chignons, petite queue de cheval, donc... Valait mieux s'arrêter là, quitte à recouper un petit peu plus souvent. C'est pas vraiment un carré vu que j'ai pas beaucoup de matière, il va falloir que ça reprenne. D'ailleurs, je me suis pris des petits soins comme ça. Elle m'a donné celui-ci. J'ai acheté ce soin de la marque Sébastien. Il paraît qu'il est très très bien pour les cheveux fins, pour les nourrir en profondeur. C'est un conditionneur, donc un masque qu'on peut utiliser, je crois, tous les jours. Donc voilà pour la partie cheveux. Le fond. Vous aurez peut-être remarqué, j'ai tout retiré, hein. Comme je vous disais, je veux pour la rentrée en tout cas faire un nouveau fond en mettant sur des étagères. Je vais repeindre parce qu'il y a plein de petits trous, hein. J'ai fait, j'avais plein de cartes donc il faut que je repeigne. Je sais pas encore si je pars sur deux étagères, je sais pas, donc ça c'est vraiment ce que je vais faire je pense fin août, début septembre. Autre chose, je vous avais parlé également au niveau de la fréquence que je comptais faire une pause, en tout cas au mois d'août, de façon ressourcée, une vraie pause coupée. Donc ce que j'ai décidé de faire, parce que pour moi c'est pas hyper évident, c'est que je vais continuer à filmer pendant le mois d'août, mais vraiment, vraiment que de façon ponctuelle. Ça sera pas forcément un vlog tous les jours, voilà. Donc, je reprendrai bien évidemment la fréquence daily vlog à la rentrée. Mais là, il peut y avoir un vlog. Le lendemain, il peut ne pas y en avoir pendant 2-3 jours. Après, ça peut être en continu. Bref, voilà. Donc, je me laisse toute liberté de vlogger et de tourner quand j'en ai envie, j'en ressens le besoin. Voilà pour ça. Je vous invite aussi, je vous le redis, à me suivre sur Insta. Je vais être de plus en plus présente. Et j'ai envie de... Je n'ai jamais fait de direct ou de live. Donc, je vais commencer, je pense, par un direct Insta. Je vous mets mon Instagram ici si vous voulez me rejoindre. Ce qui est pas mal parce que c'est vraiment du spontané. J'apprends un peu, je crois que ça dure 20 minutes. Je fais pendant 20 minutes, 30 minutes. C'est plutôt cool. Et après, j'essaierai de faire pareil des lives YouTube. Qui sera pour moi vraiment une première. Voilà un petit peu pour les projets à venir. Les petites choses que je voulais vous dire. Je vais clôturer cette petite vidéo maintenant. Laissez-moi en commentaire tout ce que vous avez envie de me demander. Vous savez que je réponds peut-être pas dans l'immédiat, mais j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Et là, voilà, il n'y aura pas eu Jackie qui est passé. Non, il fait dodo, il est en bas, il se repose. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis du coup à très vite. On ne sait pas quand, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être... On ne sait pas. Allez, je vous embrasse. Salut.